Et bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Endo sur Iva Sound Studio pour un petit Ivalice en roue libre. Aujourd'hui, nous allons jouer à Popcorn 66, un petit jeu sur navigateur qui est vraiment très intéressant. Un petit jeu de culture générale qui. Iva Sound, oh pardon, excusez-moi. Iva Sound en roue libre et pas Ivalice, Iva Sound en roue libre du coup. Et du coup, Popcorn 66, c'est un jeu de culture générale qui a eu plusieurs versions. La toute première étant sur des films de renommée, on va dire internationale, très connus. Ça s'appelait Popcorn Garage. Il y a eu une autre version qui s'était cette fois-ci sur des séries au sens large, sans distinction de genre. Et après cela, on a commencé à voir naître des partenariats entre Popcorn et différentes grandes marques, notamment avec Red Bull. Pour 66 références de jeux vidéo sur une image. Après, on a eu une. Ah, c'est l'avant-dernière, celle-là. L'avant-dernière image de Popcorn, c'était avec la chaîne de télévision de science-fiction Sci-Fi, où il y avait 66 références de films et séries de science-fiction. Et aujourd'hui, on va jouer à la dernière image sortie par Popcorn, c'est-à-dire une image en référence à League of Legends, donc du coup en partenariat avec Riot, qui est donc le studio qui a créé. Eh oui, Jack, avec Sci-Fi. Du coup, 66 références de champions de League of Legends. Pour mémoire, je crois qu'il doit avoir 130 ou 140 champions, donc il y aurait plus de la moitié. Plus de la moitié à retrouver. Et bah, je pense qu'on va être bon, on va pouvoir y aller. Allez, let's go! Tac. Et tac. Zibadi. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, pas assez fort, tout ça, comme d'habitude. Alors, nouvelle partie. Oh bah ça rame un petit peu. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a. Ah bah là je vois du barde. Le petit Mips. Meeple, Mips, je sais plus. Ah, on a Kindred ici avec le masque du loup. Jamais l'un sans l'autre. Y a pas le son du jeu? Ah oh, c'est bizarre ça, pourtant je l'ai. Ah ok, il est très très bas, c'est pour ça. C'est pour ça, bougez pas. Je vais le remonter tout de suite. C'est mieux comme ça? Alors, continuons. Et ben on a Tibbers, donc on a Annie, le gros nounours. Ah bah, le lait de vache. Alistar. Ce ne sont pas des vaches à lait. Je peux up encore un peu? Eh bah, je up encore un peu alors. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'épée d'écho. Ouais, le dessin il est vachement sympa. Ici, magnifique, le petit réverbère, c'est bien sûr Jax. Le livre magique sur la gauche, t'es celui de Yumi. Ah oui, bien vu, je l'avais pas vu. Scroller pour zoomer, je suis déjà au courant. Il y a même un autre livre ici, donc il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a un livre. Donc, on va commencer par Yumi. C'était bien celui-là. Je vois qu'on a. Comment elle s'appelle? Séraphine.
le micro sur la table basse de télé. Alors, voilà, c'est littéralement écrit ici, c'est vie. Ok. Alors, il y a Zilean avec l'horloge. En temps et en heure. Séraphine, c'est même pas qui c'est. Elle est plutôt récente. Elle doit bientôt avoir un an, je crois. C'est une support. Un support qui chante. D'où le micro. On a la flèche et l'arc en bleu sur le mur. Ça doit être H. Avec un E. Avec un E. Oui, ça aurait été mieux avec un E. On a bien sûr ici. C'est une sub comme Sona, mais en chanteuse. C'est ça. C'est l'idée. En plus, ça fait des. Son heal. C'est un peu comme le heal de Sona en plus. C'est vraiment une onde de soin. Il y a Jinx. Avec le petit singe. Avec les timbales. Doublé. Combo tireur. Ah, attends, on peut faire des combos comme ça. Ah bah attendez, dans ce cas-là, là, il y a Jean. Splendide. Triplé. Non, pas triplé. Ah si. Alors attendez, attendez. Ah, attendez. Il y a un truc qui se passe. Bonus est bloqué. Popcorn x2. 66 secondes pour doubler tes points popcorn. Attention, la moindre erreur fait met fin au bonus. Eh ben, let's go. Go. Ah d'accord, faut y aller quoi. Il y a Kog'Maw je crois. Avec le vomi. Oh mince, je l'ai mal écrit. Je l'ai mal écrit. Kog'Maw. Il n'y est pas non plus. Ouh là là. Bolo. Bah, le vomi ici, c'est pas Kog'Maw. Ah, je suis déçu. Bon, va falloir faire gaffe maintenant. Ah, les ciseaux. Les ciseaux, c'est Gwen. Oui, je cours avec des ciseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, le poro. Le poro, c'est bon. C'est à cause de la moustache? Allez savoir. Gwen connaît pas non plus, pareil, elle est sortie il y a un an. Non, je regarde pas. Elle est sortie il y a un an et c'est un top laner. Top laner à base de gros coups de ciseaux. Je sais pas si tu es familier avec l'histoire du roi de la ruine. En gros, c'était de base une poupée qu'avait créée la femme du roi de la ruine. Isolde. Rengar, je pense. C'est soit le collier, soit le chat. Avec les yeux rouges et bleus. C'était le chat avec les yeux rouges et bleus. Alors du coup, il a acquis ce collier. Collier comme ça avec les dents. Ah bah, il y a des oranges. Les oranges, c'est Gangplank. Ce ne sont pas de simples oranges. Ce sont des oranges sanguines. Les cartes à jouer. Twisted Fate. Tout est dans les cartes. Ah, là il y a Xayah et Rakan. Xayah. Mes plumes n'ont pas de prix. Et Rakan. Ne suis-je pas magnifique? Pas de H. Désolé. Il y a Amumu en petite. Petit stickers. Venez jouer avec moi. Ah, il y a le gros champi aussi. Le gros champi, bah c'est. Notre petit cancer favori. Capitaine Timo. Au rapport. Bah, on a déjà fait un tiers. C'est pas mal. Ça commence à être un peu plus dur déjà.
Ouais, il y a déjà 22. Je suis désolé. Voyons voir. Je vois qu'il y a Twitch là. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Alors. Là, le petit logo poison comme ça, c'est Twitch. Doublé. Alors, est-ce qu'on n'a pas un autre tireur? Je vois qu'il y a d'autres trucs, hein. Je vois qu'il y a d'autres champions, mais... Je pense qu'on a fait tous les tireurs. J'en vois pas d'autres. Ah si, Samira avec le petit S sur le bureau. Bingo. Difficile. Est-ce que derrière ma cam il y a des trucs bah du coup vous l'avez pas vu, mais il y avait juste l'épée de Echo. C'est tout. Et du coup, est-ce qu'on a encore un autre ADC? N'hésitez pas à partager si vous-même vous voyez des références à des ADC surtout. On garde les combos. Je me demande si la pizza c'est pas Sivir avec son skin bien particulier. J'ai un gros doute. Parce que là il y a le panier de basket, ça me fait penser à Darius, roi du dunk. Je sais pas si ça inclut aussi les skins. Que je tente Sivir avec la pizza. Là, il y a le bout de pain aussi, mais le bout de pain, je crois que c'est... J'allais dire Léona, mais non, Léona, c'est... elle est là. C'est la petite étoile jaune ici. Mais c'est quoi? J'ai plus qu'une seule vie parce que j'ai cramé avec Kog'Maw. Donc, je vais pas tenter Sivir. Du coup, on va tenter... Léona. Sentez la gloire du soleil. Voilà, la petite étoile. Il y a Lulu avec Pix dans le pot de fleurs à droite. Plein boulanger, Panthéon. C'était Panthéon? Ah, c'est peut-être Panthéon dans ce cas-là. Hein. En plus, c'est la même catégorie de skin, les deux, donc... Ah, attendez, non, c'est sûr, ça compte les skins. Il y a une banane sur le lit, ça doit compter les skins, c'est sûr. Je vais tenter avec la banane déjà. On va tenter avec la banane, on va tenter Soraka. Oh yes, oui, oui, c'est une banane. Personne ne s'attend aux bananes. Ah, support, alors attendez, support dans ce cas-là. Si on est sur les supports, on va tenter Tam Kench sur le pot de fleurs. Non. Tam Kench, comme ça. Oui. Mal écrit, tant pis. Tant pis. Support, du coup. Oui. Qui c'est qu'on a d'autres comme support? Là, il y a peut-être la plante avec Zira. Allez, Gangbox, je sais qui c'est. Je pensais que c'était Vie au début, mais non, c'est pas Vie. Et c'est bien un skin encore. Qu'est-ce qu'on a sur le côté, ici? Ça, je crois que c'est Kai'Sa. C'est la marque de son passif, il me semble. Ah, je viens d'en retrouver un autre. Mais c'est pas un support. Je cherche d'abord les supports. Voilà.
Oh, j'en ai trouvé un, il est sacrément bien caché. Allez, on va tenter Zira. Oui, donc c'était bien la petite fleur au fond. Et je pense que pour les supports, on va être bon. Je n'en vois absolument pas d'autres. Et bah dans ce cas-là, on va essayer tout ce qui est jungler. Et bah pour les junglers, les gants, c'est Lee Sin. Quoi ? Défaite. Comment ça défaite ? Oh ! Ah, j'ai même pas fait la moitié, je suis déçu. J'en ai fait plein d'autres. Ah, on recommence. Ah, on a largement le temps, on a fait qu'un quart d'heure. Blitzcrank. Ah bah, je t'avoue que... J'ai fait 39 ? J'ai cru voir moins. On recommence tout de suite. Attends, on se laisse pas comme ça. Je suis sûr que je peux tenter le 66, donc... Alors, du coup, on va les faire dans l'ordre. On va commencer par les ADC. Ah bah, si tu les as notés. On va commencer par les ADC. Donc, il y avait H. Non, parce que 7, il a pas de gants. Il est point nu. Il y avait qui en ADC encore? Il y avait Jin. Splendide. Doublé. Il y avait Zaya. Mes plumes n'ont pas de prix. Triplé. Qui en avait d'autres en ADC? On avait Kindred. Jamais l'un sans l'autre. Quadruplé. Et Jinx. Je veux vous voir paniquer. Quintuplé. Quintuplé. Alors, sachant qu'on avait pensé à Sivir, on va mettre Sivir du coup. Yeah, c'était bien ça, c'était bien les pizzas. Et après, il s'est dit quoi? Ça dit sextuplé du coup? Légendaire. Ah non, légendaire, d'accord. Très bien aussi. Alors. Ah, il y a Twitch. Un DC. Ah, s'arrête là. Très bien. Alors, H, Jinx, Jin, c'est fait. Gwen. Vous savez quoi? On va faire les supports d'abord. Donc, on a Broom. C'est à cause de la moustache? Allez savoir. Séraphine. C'est notre chanson. Rakan. Ne suis-je pas magnifique? Tam Kench. Succulent. Doublé. Pourquoi j'ai pas eu 3? J'ai noté Bard? Que j'ai fait Bard. Non. Bah Bard alors. Triplé. Il y avait Zira. Ce n'est qu'une simple fleur. Alors, qui avait d'autres en support? Il y avait Zilean aussi. Yumi aussi. Grim, conduis-nous par
regardez. Autre support, Léona. Sentez la gloire du soleil. Ah, je pense qu'ils doivent pas mélanger support et tank, c'est peut-être pour ça. C'est pas grave. Alors, qui c'est qu'on a d'autre encore? Alistar. Ce ne sont pas des vaches à lait. Doublé. Ouais, voilà, c'était les tanks. C'était bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tank? Amumu. Venez jouer avec moi. Triplé. On n'a que ça en tank pour l'instant. En vrai gros tank, donc. Je vois tout de suite, du coup, si on veut continuer sur les tanks, le casque de Sejuani. Prouvez votre valeur. Quadruplé. Est-ce que j'ai mis Léona? Oui, j'ai fait Léona. J'ai fait Brome. Qui nous manque-t-il en tank? Je pense que les... Comme ça, les trucs qu'on tape entre eux, ça doit être chaîne. Aïe, aïe, aïe. Ce n'était pas chaîne. Pourtant, il a un skin comme ça. Ok, on va pas faire les fous. Hein. Dans ce cas-là, on va partir sur tout ce qui est mage. Tout est dans les cartes. Qui en a d'autres comme mage ? Le bureau, c'est Orianna. La sphère est impatiente. Triplé. Je sais pas si Timo est considéré comme un tireur ou comme un mage, du coup. Je dirais plus tireur. Les bombes comme ça, je pense que c'est Ziggs. Oui. Quadruplé. Ah, c'est parti. 60 secondes pour doubler tes points. Bon, ben, on va mettre ce qu'on connaît déjà. Donc, on n'a pas mis Timo. Capitaine Timo, au rapport. Oui. Rengar. Ce soir, on chasse. Jax. Prêt pour le combat. Il y a Evelyn. Avec plaisir. C'est le petit cœur sur la chaise. Il y a Maître Yu. C'est les points verts ici. Doublé. Assassin, bah du coup, assassin. Écho. Inversion de la polarité. Là, il y a la dague de Katarina. Ça me plaît. Et là, ici, c'est Akali
C'est une sorte de faucille. Aïe aïe aïe. C'est pas la Kali, ça. Qui a un truc comme ça? Bon. C'est pas grave, on a Fizz. Je crois que je l'ai pas encore mis, Fizz. Hein. Je vérifie avec le requin. On va se regarder avant. Ah, faut s'inscrire. Ah bah non, alors. C'est une encre. Ah, tu penses que c'est une encre? Dans ce cas, ça serait Nautilus. Attends, je pense à un truc déjà. On va finir la liste que tu as envoyée. Voilà, il n'y a pas Gwen dedans. Donc on va remettre Gwen. Oui, je cours avec des ciseaux. Ash, Jean, c'est bon. Gwen, Brome, Rengar, Gangplank. Des oranges sanguines. Twisted. Oui, doublé. Twisted Fake, Zaya, Rakan, Bard, Kindred, Daniel, Istar, Echo, Jax, Yumi, Seraphine, V, Zilean, Amumu, Timo, Twitch, Samira. Samira, je l'ai pas mise, je crois. Non, Samira, elle est pas mise. Bingo! Lulu, Soraka, je crois qu'elles sont pas mises non plus. Joyification. Oui, c'était une banane. Personne ne s'attend aux bananes. Doublé. Et vous voyez, là, je pense qu'on approche vraiment de quelque chose de beaucoup plus dur. On est à 36 sur 66. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui sont très évidents. On va faire Fizz avec le requin peluche. J'allais mettre Blitz, mais avant, je vois les tentacules ici. Tentacules, c'est... Là, oui. Nakagaburos accepte ta team. Ah, il y a la toile d'araignée aussi. La toile d'araignée, c'est Elise. Nul n'échappe à mes rêves. Il y en a que je vais pas avoir, c'est sûr. J'ai plus qu'une seule chance en plus, donc c'est très perturbant. Il y a... comment elle s'appelle? Comment s'appelle la dernière Yordle? Elle est sortie, celle qui est toujours déprimée. Il y a son ombre complètement à gauche. Vex. Là, il y a les trucs de Heimerdinger. Heimerdinger. Eureka! Triplé. Trois mages. Je suppose, parce que j'ai joué à Rune King, que ça, là, ce manteau-là, c'est celui de Harry. Mais j'ai un gros doute. J'essaie de voir s'il y a autre chose, mais c'est dur là. Ça commence à être beaucoup plus dur.
Ah, il y a un shuriken, je sais pas du tout à qui il appartient. Ah, bah, shuriken, c'est peut-être Z. J'ai pas envie de le tenter pour l'instant. Là, je vois un parchemin ou un rouleau, je pense à Rise, mais je suis pas sûr. Il y a l'encre dont tu parlais, Jack aussi. Ah, bah, il y a le sabre de Yasuo. Je l'avais pas vu. Il est là. Pareil, il y a ce petit logo ici, là. Je suis quasi sûr que ça appartient à quelqu'un. Un passif ou un outil de quelqu'un, mais... Le shuriken, c'est le petit violet. Hein? Comment ça, c'est le petit... Ah oui, tu vois pas que c'est non plus. Bah, je sais pas non plus. Mais tu voulais dire quoi par... Ah, Kennen, et oui! Merci, j'ai failli faire une bêtise. Oui, oui, 100% raison. Il y a toujours ces trucs là. Il y a un autre personnage qui a un skin comme ça avec ces trucs là. C'est Nunu. Et Willump du coup. Mais vous savez quoi? Je vais vous mettre celui que j'ai trouvé et qui est franchement très très bien caché. C'est Diana. Une lune nouvelle se lève. Elle était sur la lanterne. Il était de ouf celui-là. Attends, on sort du x3 là, donc ça va. Ça va faire pleuvoir les points. Allez, de toute façon, faut se lancer. On va tenter du coup Blitzcrank. Yes, c'était bien ça, les Gantbox. 90 points. On va tenter. Rapunaise. C'est très dur. Faut se lancer de toute façon. On va tenter Kai'Sa. Non, on va tenter Malzahar. Malzahar. Parce qu'il y a son petit truc. Là, sur le PC. Ensuite, on va tenter... c'est déjà fini. On va tenter Rise. Yes. Et on va tenter Kai'Sa. Oui, c'était bien ça. Et... Ah, j'ai pas envie de tenter l'encre. Allez, faut le tenter. Hey, je veux écrire. Mais je voulais écrire, moi. Ça bug. D'un beaucoup. Yes. Bien joué, Jack. C'était bien ça. C'était bien une encre, du coup. Est-ce que j'ai mis Sivir? Oui, et je viens de voir quelque chose. Il est bien planqué. Tout en bas à gauche, c'est le chapeau de Caitlyn. Et... Laisse-moi écrire. Vous voulez voir le coup du chapeau? Il y a toujours le collier. Il y a la clé. Ça, c'est sûr, c'est un skin arcade. Mais je ne sais pas qui. C'est un skin arcade. Ça doit être Ezreal, Riven ou... Qui a d'autres comme ça? Harry aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon?
regarde un peu. Est-ce que j'avais mis Echo? Déjà, est-ce que je l'ai mis? Oui. Il y a le collier ici, je sais pas du tout à qui il appartient. J'ai une petite idée. La sauvageonne? C'est qui la sauvageonne? Ah, Nidalee? Ah, le collier de dents, tu veux dire. Oui, Nidalee, du coup. Et bah, sûrement. Je pensais aussi à Gnar, mais je pense que c'est plus Nidalee. Oui. C'était bien elle. Donc, le collier ici sur la lampe, je pense à quelqu'un. Je pense à Azir. Mais je suis pas sûr. En attendant, on va mettre Darius. Roi du Dunk, voilà. Oh, j'en ai un qui vient de me faire rire. Ah, t'en as un qui vient de te faire rire. T'écoutons. Mais je suis surpris, le vomi, c'est pas Kog'Maw. Le buisson. Le buisson ici, là? Ah, me dis pas que tu penses que c'est Hiverne. Enfin, je sais pas, c'est un buisson, quoi. Oh, je le tenterai pas là comme ça. Bloom! Ah là là, il y a le livre ici aussi. Ah, le livre. Je pense savoir. Yes. C'était bien son livre à lui. Tu penses savoir aussi le vomi? Alors, le vomi. C'est pas Kog'Maw. C'est sûrement un truc comme ça du néant, donc... Ou alors un truc genre qui serait relatif à zone technochimique et tout, Singed ou Urgot. Qu'est-ce qu'on a dans cet univers-là aussi? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient à l'esprit. On est à 53 sur 66, ça veut dire qu'il en manque 13. Si je zoome un peu sur l'écran, qu'est-ce qu'on voit? On a les lunettes ici. Les lunettes, ça me dit rien du tout. C'est Bayonetta. Ah, c'est sûr, c'est quelqu'un, ça appartient à quelqu'un, c'est une lunette. Mais de mémoire, ces lunettes-là me font penser au skin KDA de Evelyn, sauf qu'Evelyn, on l'a déjà trouvé. Y'a qui dans les KDA? Y'a Akali, sauf qu'on a déjà vu qu'elle n'y était pas. Y'a Evelyn, mais bon, on l'a déjà trouvé. Y'a Kaïssa, mais on l'a déjà trouvé. Gary, mais je pense que c'est pas celle-là. Et puis de toute façon, elle a pas de lunettes comme ça. Et il y a Séraphine aussi. Je tenterai bien le Harry quand même. Aïe aïe aïe. Ah, c'est l'erreur. C'est la chute.
53 sur 66. Vous savez ce qu'on dit, le karma vous rattrape toujours. Et bah c'est parti, on va tout réécrire. Faut retrouver 53. Qui sont quand même très bien cachés. Allez. Bon. On commence par les ADC. Alors, j'ai pas fait encore Kaïssa. Marqué par le néant. Ah, donc c'est le maximum qu'on peut faire. 6 d'affilée, c'est le maximum. Oula. Ça serait bête de perdre une vie là-dessus. Oublié comme ADC. Bah, je crois qu'on a dû faire tous les ADC. Non, Caitlyn. Vous voulez voir le coup du chapeau ? Quadruplé. Ça fait 10 ADC. 10 ADC, est-ce qu'on aurait oublié un ? On a un petit cube là qui est content d'être un petit cube, on dirait. Il a l'air heureux. Ah, tu les as tous, notés. Ok, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme. Comme ADC. Alors, Oriana, Fizile, Analista, Mazar, Erlinger, Yumi, Zera, Annie, Kanen, Echo, Gwen, Elisa, Mimi, Katarina, Ziggs, Kaïssa, Kindred, Jinx, Caitlyn, Sivir, Jinx, Darius, Leona, Illaoi, Diana, Timo, Soraka, Vex, Jax, Nidali, Vivi, Blitzkamp, Jusfer, Lulu, Mitroid, Miken, Shinjoni, Twitch, Nautilus, Broom, Bard, Seraphine, Yasuo, Gangplank, Ash, Xayah, Evelyn, Ryze, Samira, Rakan et Cartus. J'ai fait tous les ADC de la liste en tout cas. Et bien, on s'intéresse aux supports alors, et uniquement les supports. Pas confondre avec les tanks. Séraphine. C'est notre chanson. On dirait un poké-rap. Du coup, Bard. Ah, c'est parti. Gao. Lulu. Il y avait qui d'autre en support? Genre vraiment support quoi. Fichtre, je suis en train de perdre des ponts pour rien. Vas-y, c'est pas grave, on va partir assassin. Katarina. Ça me plaît. Fizz. Doublé.
entraîner. Ma lame vous appartient. Triplé. Coco. Inversion de la polarité. Quadruplé. Yana, je sais pas si elle est combattante ou. Elle compte pas dedans. Allez, c'est pas grave. Tank. Prouvez votre valeur. Sentez la gloire du soleil. Doublé. C'est à cause de la moustache? Allez savoir. Ah, c'est un support. Qui j'ai oublié? En tant que Blitzcrank. En service. Mal écrit. C'est pas grave. Pas de touche aux runes. Fais le truc, ombre. Doublé. La sphère est impatiente. Triplé. Oh, il est passé. Il est passé. Ça va, on a fait des beaux points. Allez, on est presque à la moitié déjà. Evelyne. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Zileane. En temps et en heure. Annie. Ziggs. Cartus. C'est écrit. Triplé. J'ai mis petite fate. Non. Tout est dans les cartes. Quintuplé. Qu'est-ce qu'on a oublié comme mage? Qu'est-ce qu'on a oublié comme mage? Bon. Gwen. Oui, je cours avec des ciseaux. Jax. Prêt pour le combat. Doublé. Plank. Ce ne sont pas de simples oranges, ce sont des oranges sanguines. Triplé.
c'est qu'on a d'autres en combattant encore. Les combattants, c'est de loin vraiment. Je crois que j'en ai trouvé un. Je le tente, j'ai 3 vies, je tente. Oh, ils sont forts. Ils sont forts. Ah, c'est dingue. La constellation au fond dans la fenêtre là. Pouf. C'est dingue. Je crois que j'ai pas mis Timon. Capitaine Timon, au rapport. Ah, celui-là, je suis surpris quand même. Je suis encore un peu sous choc. Ok, Nautilus Kenen, c'est pas encore passé. Nautilus. Kenen. Ah. Nidali. Darius. Rengar. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas mis Yumi ni Alistar. Ce ne sont pas des vaches à lait. Allez, on va tenter Hiverne. Oh punaise, il y était! Mais oui, c'est des marguerites en plus! Ah, bien joué, Jack. Là, par contre, ça commence à être un peu plus dur. Ah, bah, y'a vie. Vite, vite. Vie. J'ai pas mis Zira non plus. Oui, oui, oui. Y'a Yasuo. Ça commence à devenir compliqué. Je crois que j'ai pas mis Elise. Et là, c'est compliqué. Ok, 54. Je crois qu'on était à 52 tout à l'heure. Voyons voir tout ça. Alors, dans ce que tu as, ce qu'il y avait sur le post-it, Orianna Fils, c'est sûr, c'est bon. Zilean, c'est bon. Alistar Malzahar, c'est bon. Emerdinger, Yumi, Zira, Annie, Kenen, Echo, oui, c'est bon. Echo, j'étais où? Echo, Gwen, Elisa, Mumu, Katarina, Ziggs, ça c'est bon. Kaisa, Kindava, Jin, Caitlyn, Sylvia, Jinx, Darius, Leona, Ilao et Diana. Diana, je l'ai mise? Non. Oui, si, j'ai mis Diana. Diana, c'est bon. Timo, c'est bon. Soraka, j'ai pas mis Soraka. C'était une banane. Evex, Jax, Nidalee, c'est mis, je crois. Evex, Jax, Nidalee, c'est bon. V, c'est bon. Blitzcrank, c'est bon. Twisted Fate, c'est bon. Lulu, c'est bon. Maître Yi, c'est bon. Tam Kench, c'est bon. Sejuani, c'est bon. Twitch, c'est bon. Nautilus, c'est bon. Brome, c'est bon. Bard, c'est bon. Ici, Seraphine, c'est bon.
Yasuo, c'est ok. Gangplank, c'est ok. Ashe, c'est ok. Xayah, c'est ok. Evelyn, c'est ok. Rai, c'est ok. Samira, c'est ok. Et enfin, Rakan, Karthus, c'est ok aussi. Ok, donc là, on est sur du nouveau et on a 3 vies. On est plutôt bien. Du coup, je vais demander à Jack maintenant, mon cher Jack. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur ton opinion sur ce fameux vomivert ? Là, je t'avoue que le vomivert... Ah, tu as mis Blanche des Panthéons. Effectivement. En fait, en y réfléchissant, j'ai toujours voulu devenir boulanger. Ah, Zach, pourquoi pas ? Ah, c'est ça. C'est pas du vomi, c'est du blob, en fait. La clé, c'est Ezreal. Aïe, c'était pas Ezreal. Quel échec. Il y a la sucette. La sucette, c'est forcément un des skins dont Folie Sucrée, dont fait partie Yvern, mais Yvern, on l'a déjà. Il y a Ziggs dans la Folie Sucrée, mais on l'a déjà. Il y a Zilean dans la Folie Sucrée, mais on l'a déjà. Il y a Broom dans la Folie Sucrée, mais on l'a déjà. Ouais, la sucette sur le lit, je... Ah, si. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Prêt, marteau ? C'est Poppy. Doublé. Il en manque 8. Oh, j'en ai aucun. Oh, ça va être chaud, là. Je vais en tenter un. Ça aurait été court. Il y a ce truc là, là. Ce médaillon là, je pensais que c'était Azir. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas Azir. Je crois que j'en ai un autre. Oh, punaise! Il y avait le cube avec les différentes couleurs. Je pensais que c'était Vegar pour son ulti dans... quand il est Vegar boss de fin. Petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai là, tu ne seras jamais que le second Harry, grand maître. Le cube, t'es partout toi aussi, bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Merci pour le post-it. Allez. Là on approche, il en manque moins de 10 quoi, c'est dingue, il manque pas grand chose. Allez, on recommence encore comme tout à l'heure, des ADC. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et j'ai gardé les gros points pour les bonus. Je crois que je vais trouver un autre. Merci. Jamais l'un sans l'autre. J'ai un doute, mais. Légendaire. Ok. Je veux vous voir paniquer. Thank you.
Ok, j'en ai fait 6, donc ça s'arrête là. J'ai même fait 7, donc ça veut dire que ça reprend. Mince. On va faire les supports. Lulu. Ah, difficile, Lulu. Ça va, enfin, je trouve. Il y a le bar en plus simple. Doublé. C'est notre chanson. Grim, conduis-nous par là. Qui en a d'autres en support? Oui, c'était une banane. Je voulais la garder, mais tant pis. Je peux avoir le double ou pas? Non, toujours pas. Bon, on va faire les mages. Hein. Eureka! Pas de touche aux runes. Ah, non, toujours pas. J'y ai cru. La sphère est impatiente. Je crois qu'il y a un truc tous les tiers, donc ça veut dire que ce sera à 22. Bon bah si c'est au 22, hein. Ah, ça y est. Ok, on va faire les assassins. C'est parti. J'ai toujours voulu devenir boulanger. Prouvez votre valeur. Prêt pour le combat. Ombre. Doublé. Pour le néant.
Doublé. Nakagaburos accepte ta dîme. Le plus fin limier de Piltover. Doublé. Ok, fin du bonus. On est à 36. Je dirais comme un tireur, Timo, du coup. Bah. Sentez la gloire du soleil. Qu'est-ce qui nous manque là? Il reste Gangplank, Gwen, Brome, Poppy, Amumu. On va aller faire peut-être ces trois là déjà. Amumu. Sur le téléphone, est-ce qu'on voit quelque chose sur le téléphone? Ça ne me dit rien. Je pense avoir une idée pour les pour le cul, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Ok, bah. Écoute, propose. Ce ne sont pas de simples oranges, ce sont des oranges sanguines. Doublé. Ça trouve le cul, c'est rien du tout. Hein. J'ai pas mis Nautilus encore. T'avoue que là, Chaco, tu dirais, pour la boîte. Ce que je propose, c'est qu'on aille jusqu'au bout d'abord. Et après, on essaie des trucs. On va tenter des trucs une fois qu'on aura, une fois qu'on sera retourné à notre point d'origine. Il manque quoi là? Blitzcrank. C'est écrit. Mince. Ouf. J'ai eu peur. Mince, j'ai retiré le truc sans faire exprès. Hop.
Qui nous manque-t-il? Il nous manque Zach, Maître Yi, Darius. Zach. Yi. Ma lame vous appartient. Darius. Tout à l'heure, j'ai eu deux idées. Dont une que j'ai oubliée. Et une que j'ai oubliée. J'ai pas mis Ziggs. La lumière au plafond. J'ai pas mis Diana? Ah, t'as raison. Et bah Diana. Une lune nouvelle. J'ai pas mis une requin non plus, j'ai pas mis Fizz. Ah oui, pourtant il est évident, il est gros celui-là. Requin. Peut difficilement le rater. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas? Ça, c'est sur le collier, il appartient à quelqu'un, mais alors à qui? Grand mystère. Il y a ce petit logo là. Il y a la clé, c'est sûr, c'est un skin d'arcade. Sachant qu'il n'y a pas Harry. Il n'y a pas Ezri, du coup, vu qu'on l'a essayé. Il resterait Riven, du coup. On n'a pas essayé. J'ai mis Ivern, d'ailleurs. Riven, non, c'est sûr, mais Ivern. Ivern, oui, je l'ai mis. J'ai mis Lulu aussi. La gourde sur la table de chevet. Ah, c'est Alistar. Je n'ai pas mis Alistar. Alistar, j'ai pas mis. Alistar. Ce ne sont pas des vaches à lait. Je crois qu'on arrive au même niveau que tout à l'heure là. Là pour moi on est au même niveau que tout à l'heure. Voyons voir ta liste. Oriana Sevmei, Fizilan, Alistar, Malzahar, Emerdegar, Yunani, Kenen, Echo, Gwen, Elise, Amemu, Katarina, Zix, Kaisa, Kindred, Jin, Kathleen, Steve, Virgin, Darius, Leona, Yala, Oidana, Dimo, Frog, Alex, Jackson, Dalivi, Kips, Crank, Twisted Veil, Lelui, Metroid, Samiken, Sejuani, Twitch, Nutalius, Brom, Bard, Seraphine, Yasuo, Gangplank, Ash, Kaxaya, Evelyn, Rai, Samira, Rakan, Cartus, Rengar, Corellion, Sol, Yvern, Pantillon, Zach et Poppy. Bon, à tout le moment, je crois, oui. Ben, à tout le monde. Bon, bah, c'est le moment de tester, du coup. Pour essayer de faire mieux. Attrapez-les tous. sachant qu'il y a cette petite vignette aussi, là. Cette dame. Avec des cheveux gris. Pour moi, il n'y a qu'une seule qui a les cheveux gris comme ça, mais qui a l'air jeune malgré tout. C'est Camille. Mais encore une fois, voilà, je mettrai pas ma main à couper, quoi. Les tap-tap, je pense toujours à Nunu. La clé, pour moi, c'est Riven. La boîte, on avait dit Chaco. Et du coup, celle que je pense avoir trouvée, c'est la sacoche. Il me semble que Zoé a une sacoche. Mais encore une fois, c'est qu'une sacoche. Ah oui, l'autre, voilà, c'est l'écharpe. L'écharpe, pour moi, c'est Talia. Donc on va commencer par Talia.
C'est un échec. Il n'y a pas Talia. Mais c'est sûr, l'écharpe, elle est à quelqu'un. Elle est à quelqu'un, cette écharpe, c'est sûr. Bon. Senna ? Elle est comme ça, la charte de Senna ? Du coup, ça donne envie de regarder sur internet si Senna elle a bien une écharpe comme ça. Y a Shaco et Riven ici, peut-être. Les petits poissons ici. Bon, ce serait pas Nami, ils auraient pas mis, ils ont pas fait un truc aussi simple quand même pour Nami. C'est quoi, j'ai envie de tenter Nunu. Et bah, il y avait pas Nunu. Bon bah voilà, il reste plus qu'une seule chance. Donc les tap-tap, c'est sûr, il y a personne hein, pour moi. Vous allez voir, on va faire pareil comme score. Attendez, j'en ai oublié un. Non, c'est bon. Je pensais avoir oublié chez Zach, mais non. Bah, c'est des poissons quoi, ils ont rien de spécial, ils évoquent en rien un ami quoi spécialement. À part le fait que ce soit des poissons. Donc pour moi c'est un piège. Je suis très perplexe. Pas le cube Shaco, la clé Riven, les lunettes sur le bureau. Bah, pour moi, comme ça, ces lunettes là, c'était Evelyn dans son skin KDA. Sauf qu'on a déjà Evelyn. Si t'as la réponse, n'hésite pas à me le donner. Hein. Pour moi, c'est pas du tout un skin. Ah bah oui, Vayne, même complètement. Oui, complètement. C'était évident en fait. Genre puissance 1000, j'aurais dû le voir. On a fait un de plus que tout à l'heure. Ouais. J'ai envie d'essayer Camille, j'ai envie d'essayer Riven, j'ai envie d'essayer Shaco, j'ai envie d'essayer Nami. Mais c'est sûr, il y en a là-dedans, c'est, ça passera pas. Bon, parmi tout cela, donc parmi les poissons pour Nami, parmi la clé pour Riven, parmi le cube pour Shaco, parmi le stickers pour Camille, et parmi aussi l'écharpe pour Senna et la sacoche pour Zoé, lequel vous paraît le plus évident? Nami en first. Eh ben, on va essayer Nami. Vous allez nourrir les... Ah bah, bien joué. Tu vois, on a... C'est trop obvious, le piège serait qu'il n'y ait pas de piège. Bah, c'était ça en fait. Tu vois, je suis tombé dedans en plus. Allez, il en reste 6. Si on part sur ceux qu'on aurait potentiellement trouvé. Donc, il y aurait la clé pour Riven, la boîte de Shaco, le sticker de Camille, la sacoche de Zoé, l'écharpe de Senna. Et je pense que du coup, le sixième, ce serait ce fameux logo sur la pochette de feuille. Sur la feuille, sur l'aquarium. Sachant qu'il y a... Il y a aussi le médaillon sur la lampe. Le médaillon sur la lampe, là. Euh,
pense qu'il faut s'y intéresser. Il faut s'intéresser au médaillon, c'est sûr. Peut-être un rapport avec soit Shurima, soit Targon. C'est pas Azir. C'est sûr, on a essayé Azir tout à l'heure, c'est pas passé. Il y a l'autre aussi, là. Comment elle s'appelle? Celle qui vient de Ixtal et qui manie les éléments. Kiana. Est-ce qu'elle a pas un collier comme ça? Kiana. Mais vraiment, le pire, c'est que le collier me dit quelque chose. Hein. C'est dingue. Shurima, on a Nasus, Renekton, je pense pas que ce soit eux. Asie, on a dit que non. Sivir, on l'a déjà trouvé. Après, Ramus, je pense pas. Qui on a d'autres en Shurima? Kassadin, je pense pas. Targon, on aurait Léona et Diana, on les a déjà. Tari, je pense pas. Pas du tout, c'est pas du tout ça, et ses coloris. Bard, on l'a déjà. Orion Sol, on l'a déjà. Peut-être que le médaillon est un piège. Même si ça me paraît vraiment étrange, il est vraiment bien mis en évidence, quoi. Genre, il est vraiment là, quoi. Il brille. Je pense qu'il se peut que l'écharpe et la sacoche, ça soit juste... rien du tout finalement. Là, mon cœur balance plus sur soit Riven, Shaco ou Camille. Donc, même chose, entre la boîte de Shaco, la clé du skin de Riven Arcade et la stickers de Camille, à votre avis. Les deux sacoches, ça se tente, les chars, vraiment, j'en suis persuadé. T'es persuadé déjà, pour moi elle est pas du tout comme ça. Pour moi elle est pas marron. Pour moi elle est noire. J'hésite énormément, j'ai qu'une seule vie, j'ai pas envie de tout recommencer. Ah oui! Ah, c'est pas une écharpe, c'est une capuche! Ah, mais non, mais complètement! Non, mais complètement! De ouf! Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Moi, je pensais vraiment à l'écharpe qui était au-dessus de Nunu, ici. Ah, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout une écharpe, c'est une capuche! Ok, plus que 5. Là, je sèche un peu. Tu veux tenter la sacoche? On n'a pas beaucoup regardé la fille aussi, le personnage central. Qu'est-ce qu'on a sur elle là? À part qu'elle a les cheveux bleus comme Jinx. Une sorte de boucle d'oreille. Rien d'autre. Ah, la sacoche, pour moi c'est comme l'écharpe, tu vois, c'est... Bon, c'est une écharpe et une sacoche, quoi.
J'ai pas envie de me planter. Si je me plante, ça sera, je pense, la fin du stream. On va pas le terminer. Je ferai sûrement un screen off pour vous montrer le truc complet. Mais à quoi elle ressemble Camille? Pour moi, elle ressemble pas trop à ça, Camille. Au pire, tu peux aller chercher la Cholus. Eh bah va. Donc je veux la sacoche du coup ou pas? Sûr? T'as déjà regardé la Cholus ou pas? Go. Oh punaise. Mais c'est qu'une sacoche quoi. Eh ben, ah c'était une médaillon Zoé. D'accord. Bah, du coup, c'est bien un rapport à Targon, du coup, oui. Ok. C'était le médaillon. Ouais, bah je l'avais pas du tout. Hein. Mais genre vraiment de tétragiga loin. Je l'avais pas du tout. Il en manque 4. Ok, alors, est-ce que on a quelque chose avec le stickers de la dame avec les cheveux gris? Go Shaco, et bah voilà, c'était bien Shaco, t'avais le bon flair. Ça va être amusant. Mais en même temps, je me suis dit, son pantalon, il est un petit peu comme ça, damier noir et blanc, mais pour moi, c'est pas assez parlant, quoi. Il en reste 3. Camille, Riven dans mon esprit. J'ai les 3 derniers manquants, mais pas les endroits sur le dessin. Et j'avoue, je sais pas où sont les refs. Non, pas Riven ni Camille. Ok. Ok, dans ce cas-là, je vais tenter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ok, je vais demander des indices. Est-ce qu'il nous reste des ADC parmi les 3? Pas d'ADC. Très bien. Est-ce qu'il nous reste des mages? Genre au hasard Anivia peut-être? Pas d'Anivia. Ah donc tu sais pas si c'est des mages. Tu sais pas si c'est des mages, ou alors tu sais pas, tu cherches la... sur les mages aussi. Il y a un mage, une mage. Et c'est pas Anivia. Alors les tap-tap, j'y songe toujours mes tap-tap, hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui les a. Sachant qu'on n'a pas Harry. Qui c'est qu'on a comme mage encore? Donc si tu ne les as pas trouvés, je suppose que ils ne sont pas du tout obvious. Ouais, mais moi je sais pas quel mage il me manque en fait. Est-ce qu'on n'aurait pas Syndra? S'il y avait Syndra, elle serait où? Ah, ah non, ce serait un peu abusé Syndra. Si tu,
Non, pas Syndra. Il y avait les boules violettes, je me suis dit pourquoi pas. Ça aurait pu être Syndra. Vegar, on a dit qu'il n'y était pas. Je pense, pas sûr que le lamage ait un rapport avec le crapaud. Le crapaud. Le crapaud. Un crapaille des crapauds. Alors, du coup, ça me donne un peu la thématique. Ça me partirait sur un mage un peu plus marécageux. Qu'est-ce que... crapaud Tamkench. Non, Tamkench, il est là, sur le pot de fleurs. On l'a déjà. C'est son passif, en fait. C'est le logo de son passif. Crapaud. Pour un mage. Un rapport avec l'eau, du coup. Ok, oui, c'est un rapport avec le crapaud. Je me souviens de la cinématique. De la cinématique. Ah non, c'est-à-dire que c'est hyper poussé. C'est genre, il y a un crapaud dans une cinématique. C'est celui-là, quoi. Et c'est un mage. What the fuck? Un 10 drapeau blanc arc-en-ciel. Un mage arc-en-ciel. Qui c'est qui fait toutes les couleurs? Puis drapeau blanc? Sur le chat, c'est le drapeau LGBT, drapeau arc-en-ciel. LGBT? Quel rapport avec les LGBT? On a un personnage qui est ouvertement homosexuel dans... Dans League of Legends, genre c'est certifié ça? Genre on le sait? Il n'y a pas beaucoup de champions LGBT, mais il y en a. Et oui, c'est certifié. Et c'est un mage. Je l'ai pas du tout. D'accord. Je vais demander pour être sûr. Est-ce que ça serait Nico? Oui. Oui, allez. Il en reste deux. Est-ce qu'il nous reste un tank, genre un vrai gros tank, genre comme Amumu, ou comme Poppy, ou comme Brome. Oui, tank. Un seul ou deux, du coup. D'accord. Merci pour cette réponse. Alors, sachant qu'il y a des tanks qui sont junglers, hein, donc jungle, c'est pas forcément un rôle en soi. C'est un poste. Par exemple, tu vois, Amumu, c'est un tank et un jungler. Il y a 6 rôles, il y a ADC, tank, support, combattant, assassin et mage. Donc combattant, ça va plus être Vi ou Jax.
Le tank, ça va vraiment être le truc gros sac de PV, quoi. Donc, il y a un tank. En tant que... Qui c'est qu'on a oublié ? On a oublié Thresh. Est-ce qu'on aurait quelque chose par rapport à une lanterne ? Non, non, c'est pas des lanternes. Enfin, si c'est des lanternes, mais je pense pas que ce soit ça quand même. Ce serait un peu abusé. Si c'est Thresh, c'est un peu abusé. Qui c'est qu'on a d'autre ? On a... Nunu nous dit qu'on a qui était pas. Qu'est-ce qu'on a comme tank qu'on voit souvent à la bot lane ? Ah, il y a Nasus aussi qui est tank. Nasus. Est-ce qu'on a un rapport avec les chiens, peut-être ? Je vois rien. Renekton, c'est un combattant. Donc non. Qu'est-ce qu'on a comme tank encore ? Singed. Singed un tank. Mais je vois aucune boisson suspecte ou pot de colle ou qui pourrait m'aiguiller sur Singed. Si on réfléchit aux éléments qui pourraient nous faire réfléchir. Trucs qui sont très visibles sur la carte. On aurait la clé. Qui, je pense, est sûrement dû à un skin arcade ou autre. Et c'est tout. Il y a la coupe, la clé aux F, ok. Bah sinon, il y a la coupe du monde, il y a plusieurs champions qui l'ont dans leur dos. Trundle ? C'est possible, hein. Parce que, regarde, là, il y a un baron Nashor, mais bon, il est lié à rien du tout. On a le chevalier plumé, il est lié à rien du tout non plus. Donc bon. Voilà, pareil, le coffre, on n'a rien. Mais toi, la clé, je pensais qu'en fait, dans un des skins arcade, il y a un schéma de clé à un moment récurrent. Il y a cette enveloppe qui me perturbe, mais je vois aucun rapport avec les deux derniers champions. Est-ce que t'as Urgot dedans ? Pas Urgot. Je pensais, quand il fait son... je crois que c'est sa GN... et qui tire un peu en mode ciblé sur quelqu'un, ça c'est un peu ce logo là. Un tank. Ou en jungle. Jungle, il y a Xin Zhao. On n'a pas dit, mais je vois rien du tout. Pas de lance, pas de queue de cheval ou quoi que ce soit. Warwick, pareil, on n'a rien par rapport à Warwick. Ouais, non plus. Ouais, je m'en doutais. Ça serait genre un jungler assassin type Evelynn ou un jungler plus comme Xin Zhao quoi, ou Jax, ou Warwick, un peu combattant. Aucune idée, ok. Est-ce que tu le connais au moins ? Il a une arme. Si tu le connais pas, au moins ça me dit un peu. Oui, je le connais de nom. Ah, donc ça veut dire qu'il est, je pense, récent. Kane ?
Ah, les deux manquants sont des vieux, vieux champions. Ah, des vieux, vieux champions. Ah, Kane, il est plutôt récent, donc non. Velko, c'est un vieux champion un peu. Oh, genre, c'est plus vieux. L'inverse de vie. Yves ? C'est qui Yves ? Ouais, Velko, en vrai, il a déjà au moins 5 ans. Voire plus. L'inverse de 6 en chiffres romains. Ah, ça fait 4 du coup. 4. Ah oui, ça fait 4 du coup. Si maintenant, non, faut lasser ses chaussures. Tortue ? Bah, du coup, ça me fait penser à Udyr, mais... Il serait où, Udyr ? Non, non, pas Udyr. Ah. Mais 4, c'est une grosse piste. D'accord, c'est 4, hein, pas Yves. Oui, 4. Ok, 4. Ce serait le tank ou le jungler ? Parce que Udyr, il a ça un peu, cette, l'aspect ours, phénix, tortue. En plus, tu me parles de ça, c'est chaussure comme Franklin. Et une grande lance. Shinzo, il a une grande lance. Hein. Ah, ok, c'est bon. Il est ouf. Je veux trouver le truc avant. Je veux le trouver. Où est-ce qu'il est, Jarvan ? Non, c'est Jarvan, Jarvan 4. Ah, c'est bon, c'est l'étendard. C'est l'étendard qui est sur la tête de loup. Jarvan 4. Au nom du roi ! Alors, celui-là. Vous savez que depuis tout à l'heure, je le regarde ce truc en me disant ça doit être quelque chose, ça. Il me dit, mais non, c'est juste un drapeau avec des couleurs comme ça. Donc j'ai 33 secondes pour trouver un. un tank, donc, un tank. Nous cherchons un tank. Il nous reste 20 secondes pour trouver un tank. Ça va être compliqué. Ok, est-ce que toi tu as l'objet en question, Jack ? Est-ce que tu sais de quel objet on parle sur l'image ? Non, même pas tu cherches. Ah. Alors, qu'est-ce qui me fait parler, moi, sur cette image-là ? Peut-être le cactus ou wait, ah, je crois que je l'ai. Mais alors c'est très très capillotracté. Après il y a une sorte de jogging sur la chaise. Est-ce qu'on a un personnage qui fait du jogging, qui est en jogging ? L'image souriante smiley sur le mur à gauche, je crois que c'est ça. Et bah ça, tu vois, je pensais que ça ressemblait à un glaçon. Et je pensais à Anivia, du coup, mais tu m'as dit que non, c'était un tank. Alors, du coup, on cherche un tank... Oh, c'est quand même pas Taric. Non, c'est pas Taric. Alors, un Taric, un tank thématique bleu. Comme ça. Très carré. C'est pas Thresh, c'est sûr.
Brome, on l'a déjà. Oublie le bleu. Je garde juste la happy face. Genre le mec, il est content d'être un cube. Juste comme ça. Tout à l'heure, moi, j'ai mis juste Nunu. Sauf que maintenant, le nom exact du champion, c'est Nunu et Willump. Ça serait pas ça, quand même. Pas Nunu ni Winamp. Willump, c'est Willump. Deux L-U-M-P à la fin. Qui c'est qui ? Et on cherche un tank. Winamp, c'est un vieux logiciel audio, vieille réfimation. Ok. Donc non, pas Winamp. Ok. Est-ce qu'on est plus sur un tank qui évolue sur la botlane en tant que support, c'est un peu comme Thresh ou Leona? On est plus un tank un peu plus indépendant comme Amumu par exemple ou Nasus? Est-ce que je t'en demande trop? On est sur un vieux champion déjà, on a dit, un vieux champion. Il peut être en botlane, mais visiblement il ne serait pas que en botlane. Quel champion on a comme ça qui est content d'être un cube. Un vieux champion. Je sais que tu as fait cher un petit peu aux vieux champions. Dans les vieux champions, on avait Jax, mais c'est pas un tank, c'est un... Et puis on a déjà Jax en plus. Oh là là. Vladimir, c'est un mage. Docteur Mundo, Sion. Je crois qu'il fait partie des premiers champions à la sortie du jeu. Ouais, donc Docteur Mundo et Sion, ça pourrait le faire. Ni Mundo, ni Sion. Pas chaîne. Si t'es content d'être un cube, tape dans tes mains. Si t'es content d'être un cube, tape dans tes mains. C'est pas Gnar non plus, du coup. Gnar, il est plutôt récent. Il y a vraiment un rapport avec le cube ou pas? Genre le cube. Je pense vraiment que c'est cette affiche qui... Oui, après cube, c'est pas un cube, non. C'est un carré, une feuille, un glaçon. Glaçon, moi je pense à Trundle, mais tu m'as dit non, Trundle. Trendamer? Non, Trendamer, c'est un combattant. C'est pas un tank. Il a un rapport avec Freljord. Non, tu m'as dit d'oublier le bleu. Tu m'as dit d'oublier le bleu, j'oublie le bleu. Ok. Est-ce que tu sais de quelle région il vient? Je vais faire comme ça au pire. C'est lié à la montagne. Donc Targon.
Région exacte, tu ne sais pas. Bah, si tu me dis montagne, pour moi c'est Targon tout de suite. Et c'est Tarik. Le truc qui fait tunnel. Ah bah non, Rek'Sai ? Non. C'est un champion plutôt récent. Ça, il est plutôt récent, il est de la même époque que Gnar. C'est pas un animal, c'est pas un... Oh, tu nous aides beaucoup, Jack. C'est pas un animal, c'est pas un humain. Mais qui es-tu? Qui es-tu, petite chose? C'est une plante? C'est pas un végétal, c'est Galio? C'est Galio. Galio, il est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas humain, c'est pas Galio. Alors, est-ce qu'il est de forme humanoïde du genre à se débattre sur deux pattes? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une créature... complètement loufoque, un peu comme Kogmo, ou... Il se déplace sur deux pattes, oui. Shogat, alors, c'est un tank. À quel moment Shogat, il est happy comme ça? Non, Gnar, pareil, c'est un champion récent, il est du même moment que Rek'Sai ou... Non, pas Shogat, non, pas Gnar, trop récent. Il y a un rapport à la montagne. Ramus? Bon, Ramus, il est pas happy d'être... Enfin, il est pas si heureux d'être... comme ça, quoi. Montagne, minéral... Malphite. Oui, t'as raison, Malphite. C'est Malphite? Dis-moi que c'est Malphite. Go Malphite, oui! Alors, attends. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit le carré, quand même. Donc, je vais chercher ailleurs, avant. Voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait indiquer Malphite. Si c'est le carry, je ris. Il y a cette carte là, sinon, regardez là. Ouais, non. Vous allez voir, ils vont nous montrer un tout petit caillou caché quelque part. Oh punaise, tu vas voir, ça va être le carré. Ça va être dingue. Malphite. Solide comme un roc. C'était le carré bleu. Mais dingue. Merci CBN CE de nous suivre. Victoire. Ah bah oui donc. Challenger, les autres essaient, moi je réussis. Fiora. Et thanks pour le follow. Ouais. Waouh. Bah, honnêtement, j'y serais jamais arrivé sans votre aide, ça c'est sûr. Jarvan, j'aurais pu le trouver, je pense. Avec de la réflexion. Mais Malphite, jamais. Il a un skin après Malphite, comme ça, de glace. Mais t'as tellement d'autres champions qui sont en rapport avec les glaçons. Trundle, Anivia. Même Ashe, si on veut, bon, il était déjà, il y a même Trindamere, vu qu'il est de Freljord, de Brom, pas Brom, Brand, techniquement, il est de Freljord aussi, mais bon. Enfin, voilà quoi, il y avait tellement. Malphite, Chibi. Non mais. Pourquoi? Il faut qu'on m'explique. Donnez-moi une explication, Riot, pourquoi vous m'avez mis un cube, un poster de cube bleu pour Malphite, qui est littéralement marron. Peut-être que c'était pas juste un cube bleu, peut-être que c'était une montagne, après tout. Ok, et bah... On a réussi, non sans mal, à trouver ces 66 références de cette image. Je vous
vous invite fortement à essayer d'essayer les trois autres images, les quatre autres images. Il n'y en a qu'une seule autre que j'ai complètement finie, c'est celle des films. J'ai eu 66 sur 66, non sans mal non plus. C'était très compliqué, j'ai été aidé aussi. Et les autres, je suis un peu moins bon par contre. Sur les jeux vidéo par exemple, je galère énormément. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc j'espère que ce stream vous a plu. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Discord, pardon, Facebook, Instagram et Twitter aussi. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très très bon week-end aussi. Et je vous fais à tous des bisous masqués. Cordialement, bisous.